Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un point lecture, un update lecture. Je vais vous parler donc des 4 derniers romans que j'ai lus. Je ne vais pas faire durer l'introduction plus longtemps. C'est parti! Alors pour commencer, je vais vous parler de la fin de la saga Grisha. J'ai donc lu les 2 derniers tomes de la trilogie que j'ai beaucoup apprécié dans son ensemble. Je vais vous détailler un petit peu plus ça tout de suite. Alors en ce qui concerne le tome 2, donc je vous le mets en incrustation, je lui ai mis la note de 4,5/5, donc j'ai quand même beaucoup apprécié. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais quand même je l'ai lu assez rapidement, donc ça m'a vraiment plu. J'ai trouvé que le tome 2 était quand même beaucoup plus sombre que le premier tome. Ce que j'ai apprécié également, c'est l'arrivée de nouveaux personnages secondaires, et notamment les jumeaux et Sturmhand, le capitaine d'un navire, enfin le pirate on va dire, qui est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a fait rire et que je trouve impertinent. Donc vraiment j'aime beaucoup ce genre de personnage. Et je trouve qu'il a apporté beaucoup à ce second tome. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de longueur dans le milieu du roman. Mais je pense que c'était fait un petit peu exprès pour pouvoir rendre la fin encore plus spectaculaire. Parce que là, pour le coup, la fin, on a vraiment envie de lire la suite tout de suite. D'ailleurs, j'ai lu assez rapidement après avoir lu le tome 2. C'était vraiment une épopée en fait. La fin, moi, je m'y attendais pas forcément à la fin de ce tome 2. Par contre, j'ai eu beaucoup plus de mal à m'attacher au personnage de Mal, que j'ai trouvé distant, que j'ai trouvé jaloux. Et j'ai pas réussi à trouver, contrairement au premier tome, l'alchimie en fait entre Alina et Mal. J'ai pas du tout ressenti cette alchimie, j'ai pas du tout ressenti l'amour qu'ils se portaient l'un pour l'autre. C'est vraiment bizarre, je n'ai pas du tout ressenti cette alchimie, et vous verrez que dans le 3, encore moins. Donc du coup, voilà, pour ce couple-là, en fait, je n'ai pas du tout accroché finalement. Alors que je les apprécie tous les deux, indépendamment l'un de l'autre, mais ensemble, je n'ai pas trouvé de réelle alchimie, de réel amour. Enfin bon, j'ai pas ressenti ça. La fin, comme je vous le disais, était vraiment très palpitante, était vraiment spectaculaire. C'était très original, j'ai trouvé. C'était vraiment noir, hein. Par contre, là, le tome 2 est vraiment noir, je trouve, en tout cas, beaucoup plus que le premier. Mais je l'ai quand même beaucoup apprécié. Et alors, en ce qui concerne la citation, puisque je vais vous donner une citation que j'ai retenue de ce tome, il s'agit de Sturmhand qui dit à Alina: quand les gens disent impossible, généralement ça veut dire improbable. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ben voilà pour ce tome 2. Alors maintenant, je vais passer au tome 3. Donc je lui ai mis 4/5. J'ai un peu moins apprécié que le tome 2, mais ça reste quand même une très bonne lecture. Hein. Dans l'ensemble, j'ai vraiment beaucoup aimé cette trilogie. Et donc je vais pas tarder, je pense, à lire Six of Crows, on verra bien, mais je pense que ça va pas tarder. Donc pour ce tome 3, j'ai trouvé que là pour le coup, c'est au début qu'il y avait beaucoup de passages longs. Je me suis un petit peu ennuyée au début, en fait jusqu'à ce qu'ils partent de la cathédrale blanche. Je pense qu'on aurait pu faire ça un peu plus rapidement finalement, ce passage-là, mais ça n'empêche que c'était quand même très intéressant et ça a permis un petit peu de travailler un peu plus la psychologie des personnages. Donc pourquoi pas, mais je préfère quand il y a un peu plus d'action, je trouve ça plus intéressant forcément. La seconde moitié par contre du roman, j'ai trouvé super, avec des rebondissements à n'en plus finir, beaucoup d'action, c'était vraiment très intéressant. Moi j'ai adoré cette seconde partie du roman, je l'ai vraiment adoré. Par contre je mettrai un bémol cette fois-ci sur Alina et sur son comportement et sur ses réflexions. Les réflexions qu'elle avait en fait, quand on sait ce qu'elle pense, vis-à-vis surtout du Darkling, il y avait un truc qui me mettait mal à l'aise en fait. Je savais plus trop quoi penser d'Alina et ça a encore plus impacté la relation qu'elle a avec Mal, je trouve. Et du coup, j'ai encore moins ressenti d'alchimie, d'osmose entre eux deux. Et pourtant, bizarrement, là, Mal, moi, m'a beaucoup plus plu. Je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant, je l'ai trouvé beaucoup plus humain, je l'ai trouvé beaucoup plus courageux. Enfin, voilà, il a un rôle plus important. Il se met en retrait par rapport à Alina, par rapport à son futur. Donc, enfin là, pour le coup, lui, j'ai ressenti plus son amour pour elle
que elle pour lui, non, pas du tout. Et eux, ensemble, finalement, tous les deux, là, non, là, j'ai rien ressenti du tout. Ce personnage de mâle, finalement, est quand même pas mal. Jeu de mots. Ça n'est pas fait exprès. En ce qui concerne les personnages secondaires, je les ai encore une fois adorés. Bon, je vais pas vous parler de tous les personnages, mais voilà. C'est ces personnages secondaires qui accompagnent Alina dans sa quête. Vraiment, pour moi, apporte vraiment quelque chose de plus. Si ça n'avait été que Alina et que son aventure, je pense pas l'avoir, que je l'aurais apprécié autant qu'avec tous ces personnages secondaires qui apportent une plus-value à la trilogie. Et alors, l'épilogue, pour moi, était super. Je l'ai beaucoup apprécié. On voit que ça se termine et puis on entreaperçoit quand même quelque chose d'autre. Et vraiment là, ça m'a beaucoup plu, cet épilogue. Donc la saga, la série... Non, la trilogie en elle-même, vraiment, m'a énormément plu. Je l'ai beaucoup appréciée. Et donc, en ce qui concerne la citation pour ce tome 3, il s'agit d'Alina qui parle à Genya. Et donc, elle lui dit « La beauté était ton armure, fragile, superficielle. Mais ce qu'il y a en toi, c'est de l'acier. C'est fort, incassable. Et ça n'a pas besoin d'être réparé. » Voilà, quand on connaît un petit peu l'histoire de Genya dans cette trilogie, cette phrase est très percutante et très forte, je trouve. Alors maintenant, on va passer à la suite. Donc, je vais vous parler du tome 1 de Ivy Wild, qui est écrit par Helen Harper aux éditions MXM Bookmark. Alors, déjà, il faut que je vous parle un petit peu de comment j'ai connu ce livre. Je l'ai connu par hasard sur une vidéo YouTube, je ne sais plus de qui c'était. Je crois que c'était de Nina Quill, oui c'est ça. Et où elle parle de ce roman. Je ne pensais pas du tout apprécier et finalement, c'était quand même très très bien. Enfin, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Alors, en fait, cette histoire, il s'agit de Ivy Wild qui a des pouvoirs magique, mais qui est très feignante, vraiment, elle, si elle pouvait passer les journées dans son canapé à manger des chips, ça lui irait. Et elle a été renvoyée de l'école où elle était, finalement, pour avoir triché, pour avoir été violente avec un de ses camarades. Et donc, elle se retrouve à être conductrice de taxi, mais ça lui va très bien. Jusqu'au jour où elle doit aller surveiller le chat de sa voisine, qui est une amie à elle et qui travaille, qui est étudiante dans cette école de sorcellerie, parce qu'elle est en déplacement professionnel. Et donc, elle est dans l'appartement de cette voisine. À un moment donné, quelqu'un toque à la porte, donc elle va ouvrir et ce sont deux magiciens qui, sans lui demander qui elle est, parce qu'ils pensent que c'est sa voisine en fait, la lie magiquement, par magie, donc un des deux personnages qui doit avoir une stagiaire, entre guillemets, avec qui travailler quelque temps pour qu'il la forme, etc. Bon, bref. Ce deuxième personnage, donc, il s'appelle Raphael Winter et il est très coincé, très guindé. Il respecte le règlement à la lettre, etc. Alors qu'elle, pas du tout, elle n'a rien à faire, elle n'a pas du tout envie de travailler, elle n'est pas du tout contente d'être liée par la magie à cette personne, mais du coup elle est quand même contrainte d'aller enquêter sur des disparitions d'objets, etc. Et cette histoire, vraiment, je l'ai beaucoup appréciée. D'ailleurs, dès que je l'ai terminée, j'ai commandé la suite. C'était très drôle, mais vraiment très drôle. Il y a des moments où j'ai explosé de rire. Cette Ivy Wild a un chat, alors un familier en fait, et elle lui a appris à parler un petit peu, donc il dit quelques mots, manger, dormir, caresse, etc. Et du coup, je vous dirai tout à l'heure la citation parce que ça a un rapport avec ce chat, mais je vais pas vous le dire tout de suite, je vais vous parler d'abord de l'histoire et de ce que j'en ai pensé surtout. J'ai trouvé cette Ivy Wild, donc ce personnage principal, complètement déjanté. Enfin, elle en est vraiment drôle parce qu'elle est tellement fainéante, impertinente, enfin bon voilà, tout ça, que elle en est très attachante. Et ce qui est drôle, c'est qu'en plus, bah forcément, la personne avec qui elle est liée est tout l'opposé en fait. Donc du coup, c'est comme un peu un enemies to lovers finalement. Ils peuvent pas se blairer au début. Et puis petit à petit, à force de mener l'enquête ensemble, etc., ils vont finir par se rapprocher, s'apprécier, etc. Mais au début, ils s'envoient des pics, mais...
C'est vraiment assez savoureux, assez drôle. Le chat, donc, comme je vous disais, il s'appelle Brutus, donc le chat d'Ivy Wild. Et lui, vraiment, est très drôle également. Il a, je trouve, un rôle vraiment particulier. Et c'est bien qu'il soit développé dans ce livre, parce que vraiment, il apporte un petit truc à l'histoire. C'est très, très, très drôle. L'écriture en elle-même est très simple. On le lit très, très rapidement, très, très facilement. Mais d'un autre côté, c'est très drôle. Donc en fait, du coup, ça ne nous perturbe pas finalement. Donc c'est bien d'avoir des lectures comme ça, où on ne se prend pas la tête à se demander... Alors attends, la phrase, il faut que je la relise parce que j'ai pas compris. Ou alors parce que des fois, quand il y a trop de descriptions, bon, bah, moi personnellement, je suis perdue. Quand il y a trop de descriptions, au bout d'un moment, j'essaie de me concentrer, mais après, je perds le fil. Alors que là, pas du tout. Donc ça, c'était très bien. Et donc, cette enquête policière avait quand même énormément de rebondissements. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Ça m'a beaucoup fait rire. J'ai les trois autres. Je pense qu'ils ne vont pas trop traîner dans ma pile à lire. Ça, je pense que ça va venir très vite. Et donc, en ce qui concerne la citation, alors, il s'agit d'un dialogue entre Raphaël Winter, Ivy Wild et le chat, puisque le chat parle, comme je vous l'ai dit. Donc, à un moment donné, la première fois qu'il va dans son appartement, donc, il rencontre le chat. Le chat se frotte à lui et il dit « Caresse, connasse !» Donc, bon, déjà, ça... Bon, d'où ça sort, on ne sait pas. Il lui avait déjà dit auparavant à Ivy, mais... Il dit ça à un homme, c'est très bizarre. Et donc, Ivy lui dit, ne vous vexez pas, il appelle tout le monde comme ça. Enfin bon, voilà, moi quand je l'ai lu, ça m'a fait rire parce que je m'y attendais pas du tout en fait à cette situation. Je m'attendais pas du tout à ça, donc ça m'a beaucoup fait rire. Et donc, je sais plus si je vous ai dit, mais je lui ai mis 4 sur 5. Et vraiment, ça a été une très très bonne lecture qui m'a fait passer un super moment de détente et de rigolade. Et vraiment, ça, c'était cool. Et pour terminer, je vais vous parler de Prospérine, virgule, point, et la phrase sans fin de Laure d'Argelos, qui a été publiée aux éditions Rivka. Et là, pour le coup, c'était une super découverte également. Alors, en fait, c'est l'histoire... Alors, c'est un petit peu compliqué à expliquer, je trouve... On est dans un village et en fait dans ce village, dans ce monde, oui dans ce monde, les gens s'occupent des textes qui sont écrits par des humains. Et en fait dès qu'un texte est écrit, eh bien il y a un village qui se forme autour de ce texte pour entretenir le texte, polir les lettres, les réparer, etc., etc. Et donc déjà là on est dans un univers un peu particulier, il faut réussir à se mettre dedans, à s'imprégner de cet univers, de cette atmosphère. Et moi personnellement j'ai eu un petit peu de mal au début à m'y mettre et puis finalement après ça a été. Et donc dans cette histoire on rencontre Prospérine virgule point qui elle n'est pas comme tous les autres membres de sa famille à s'occuper ou du village à s'occuper des lettres etc. Elle est fleuriste. Un jour elle retrouve un homme mort dans sa boutique. Et donc, elle va décider de mener l'enquête. Et dans cette enquête, elle va embarquer son frère, qui a un pouvoir un peu particulier. Et elle va aussi embarquer contre son gré un jeune homme qui passait dans sa boutique par hasard pour acheter un bouquet de fleurs pour sa fiancée, qui lui vit à la capitale, mais est revenu dans son village natal pour revoir sa famille. Et donc, du coup, ils se retrouvent tous les trois dans cette aventure pour essayer de deviner mais pourquoi il a été tué. Qu'est-ce qui se passe, bon bref, voilà. Et donc c'est une enquête un peu policière. Et donc comme je vous le disais, c'est vraiment perturbant au début parce que déjà en plus il y a des jeux de mots par rapport aux lettres. Enfin c'était un peu particulier au début, j'étais un petit peu perdue, je dois vous l'avouer. J'étais un peu déroutée, mais finalement j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Je lui ai mis 4,5 sur 5, donc il manquait un tout petit truc pour que ce soit le coup de cœur, mais vraiment je pense que je m'en rappellerai longtemps parce que de par son originalité. Je ne suis pas sûre qu'il soit finalement vraiment classable quelque part, mais vraiment super original et j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est aussi les trois personnages principaux, donc Prospérine, Honoré et son frère, j'ai oublié, et Ernest. Je les ai beaucoup aimés.
Alors c'est rigolo parce qu'ils sont tous les trois vraiment très différents, mais du coup ils sont complémentaires. Et ça, j'ai trouvé ça très bien et je les ai trouvés très attachants tous. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y avait beaucoup enfin l'enquête avait beaucoup de rebondissements. Il y avait des choses où je me disais mais comment ils vont s'en sortir? Enfin vraiment j'étais dans l'histoire finalement. Il y avait beaucoup de péripéties, beaucoup d'actions, donc j'ai trouvé ça très très intelligent, vraiment. Comment ça a été fait, comment ça a été écrit, c'était très très bien. Alors à la fin, en fait, on peut dire qu'il y a vraiment deux révélations très importantes. Donc la révélation finalement du véritable coupable. Donc lui, vers la fin, j'avais quand même une idée de qui c'était et je m'étais pas trompée. Donc ça, j'étais contente, mais voilà, sans plus, il y avait pas rien de particulier. Mais par contre, il y a un autre rebondissement, une autre révélation à la fin. Je ne vais pas vous en parler, évidemment, je ne vais pas vous spoiler, mais pour ceux qui l'ont lu, dites-moi si vous savez, bah, je pense que vous savez à quoi je fais allusion. Là, pour le coup, j'ai été complètement surprise. Quand je l'ai lu, je me suis dit, mais quoi? Ah, c'est trop bien! Je ne m'étais absolument pas doutée de cette révélation. Donc vraiment, j'ai été pour le coup surprise au possible. Donc j'ai passé un très bon moment de lecture. Alors, ce qui a été aussi très bien dans ce livre, c'est la mise en page qui du coup est très originale elle aussi, mais apporte vraiment une utilité à la lecture. Elle sert complètement à la lecture. Je vais vous montrer quelques pages que je trouve très intéressantes. Voilà, celle-là. À un moment donné, ils vont enquêter dans un labo, dans un bureau. Et donc, voilà. Ils sont dans le noir avec leur lampe torche. Et cette page, je trouve qu'elle est très bien. Elle correspond tout à fait au passage de l'histoire. C'était très très bien. Et c'était très original. Là, à un moment donné, tout ce qui est en noir, c'est en fait le commanditaire, on va dire, de l'histoire. Bon, bref, qui parle à son tueur à gages, en fait. Et comme sa voix est transformée un petit peu, du coup, et que c'est au téléphone, du coup, voilà, là, on le repère très facilement. Enfin, voilà, la mise en page était vraiment très originale, je trouvais. Là, il y a encore une page noire. Il y a des dessins de temps en temps également. Je vais vous en montrer un. Donc, voilà, j'ai trouvé ça très original. Et donc, en ce qui concerne la citation, pour terminer, il s'agit d'Honoré qui discute avec Prospérine. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, Prospérine, donc, qui est fleuriste, elle a comme animal de compagnie une trompette à pétales, qui est une plante finalement, qui a son caractère, qui ne se laisse pas faire, donc c'est assez rigolo. Elle va quand même pas mal les aider dans leurs aventures, cette petite plante. Et donc, quand il débarque dans sa boutique, il ne connaît pas ce genre de fleurs, et donc il dit, quelle est cette chose? En désignant du doigt la trompette à pétales. On dirait un mélange entre un cornet acoustique et une courge. Donc il est un petit peu insultant, hein. Et elle dit, non, ne dites pas cela, elle est très susceptible. Et effectivement, quand elle a entendu ça, ensuite, elle est allée l'attaquer. Donc c'était assez rigolo, je trouve. Donc voilà, pour ces quatre lectures, donc de cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu. Vous, dites-moi ce que vous avez lu récemment. Est-ce que vous avez ce que vous en avez pensé? Dites-moi si vous avez lu également les quatre livres que je vous ai présentés. Est-ce que vous en avez pensé également? C'est toujours très intéressant d'en discuter en commentaire. Donc pour cette vidéo, eh bien, c'est terminé. Donc je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, de faire de super découvertes livresques. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!